Cause baby like vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un... Est-ce que ça filme ? Ah, aujourd'hui, on va faire un Get Ready With Me et on va parler d'un truc trop fun et pas fun du tout. Les crushs. Les crushs à 29 ans. Genre, quand est-ce que ça s'arrête qu'on a des crushs à 29 ans, en fait ? Bref, on va parler de ça parce que ça m'énerve. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle des crushs, il faut qu'on parle de dragounette, il faut qu'on parle de flirtage. Genre, je sais pas faire. Il faut qu'on parle aussi de l'anxiété. Quand on a un crush, pourquoi ? J'ai plus de voix. Mes plantes sont en train de cramer. Donc parlons de tout ça en faisant notre petite skincare et en nous maquillant. Cette frange là, pourquoi il y a un côté qui fait beau et il y a un côté qui fait moche ? C'est pas grave. Ok, en vrai je pense que vous êtes pas là pour la skincare, vous êtes là pour les ragots. Et donc je vais vous raconter ma life et pourquoi j'en ai marre d'avoir des crushs. Et pourquoi c'est compliqué pour moi d'avoir des crushs et comment je vois ça, enfin, on va parler de ça, ça va être trop bien. Bref, je viens de faire du sport. Hein ? Donc on va tester, je vais faire avec vous, on va tester ça là, les petits produits que j'ai achetés. Plus, je vais vous dire pourquoi ça c'est la meilleure. Voilà. Et on va aussi tester ça, j'ai déjà testé sur ma main, c'est pas le top du top. Mais bon, ça n'a pas coûté cher, donc c'est pas comme si on avait perdu beaucoup d'argent. Faut que je fasse gaffe parce que, en fait, j'ai à apprendre que, bah en fait, presque tout le monde au boulot regarde mes vidéos YouTube, donc comme vous le savez tous depuis maintenant quelques temps, j'ai un gros crush sur quelqu'un. Alors j'ai deux crushs, trois crushs, quatre, ça fait beaucoup quand même. Il y en a un qui date d'il y a très très longtemps et j'ai eu des news et ça me rend très triste. Donc comme je disais, il y a un de mes crushs dans la liste qui est en couple, ça y est. Donc bah il veut plus qu'on se voit, donc je suis en mode ok. Ça me rend vraiment triste en fait. Un peu déçu, beaucoup déçu. Mais écoutez, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Donc j'ai un peu passé à autre chose, on va dire. Je suis quand même très triste quand même, mais bon. Ensuite, dans tout ça, j'ai un crush sur quelqu'un. Je pourrais pas dire. Et je sais absolument pas flirter. Littéralement, je sais pas faire. C'est. Des gens se moquent de moi. Je vais utiliser ce petit product. Il est quelle heure? Parce qu'il faut peut-être que je me dépêche. Ça va, il est 57. J'ai 30 minutes pour me préparer. Donc, ouais, je sais absolument pas flirter. Vraiment, je sais pas faire. Et le truc, c'est que comme j'ai beaucoup d'anxiété, je m'imagine le pire. Donc, en fait, il y a des gens qui peuvent... Il y a beaucoup de personnes qui vont remarquer quand quelqu'un flirte avec vous, quand quelqu'un est intéressé par vous, quand quelqu'un a des vues sur vous. Moi, ça n'existe pas. Chez moi, ça n'existe pas. Je ne remarquerai jamais ça. Voilà. Moi, si je te plais ou quelque chose, il faut me le dire avec des mots précis ou des gestes. J'en sais rien. Mais en tout cas, il ne faut pas juste me faire croire ou genre être subtil. Moi, je ne connais pas la subtilité. Que ce soit pour moi, genre je ne suis pas subtile. Comme ça pourrait être pour les autres, je ne peux pas. Genre ça... Non, pourquoi faire ? Dites-moi si vous aussi vous êtes quelqu'un de qui ne remarque rien de tout ça. Et genre on a beau vous dire oui, non mais peut-être meuf je crois hein, parce que franchement il fait ça, ça, ça et tout quand t'es là. Genre tu mens, t'es menteur, t'es menteuse. Hein ? Mentez tous. Là je vais venir utiliser de Moisturize. Donc la petite crème, j'aime bien cette petite crème en tout cas. Elle est très très épaisse, enfin... Je sais pas comment expliquer, mais elle est bien, bien. Je sais pas comment les gens, ils font pour avoir des crushs et agir dessus. Moi, quand j'ai un crush, je peux pas agir dessus. Genre, j'y arrive pas. Enfin, il y en a un où j'ai agi dessus. Mais regardez, maintenant, il est en couple. Donc, très triste. Même si je sais que c'est réciproque. Si c'était pas réciproque, tu ne dirais pas je veux plus, enfin on peut pas se voir parce que je suis en couple. Je peux pas dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je, enfin, genre, je suis pas une dingo, je suis pas une crazy girl. Je vais pas non plus agir sans ton consentement. Et si tu me dis que bah, on peut pas. Point final. Genre on reste amis. Sauf que bah apparemment non, c'est pas assez. Donc je suis trop triste. Je remets du personne. Quoi d'autre? Bah voilà. Là je vais m'y remettre.
cette beauté de crème solaire, l'une des meilleures. Alors, j'ai pas testé toutes les crèmes solaires du monde, mais de toutes celles que j'ai testées, c'est vraiment ma préférée, hein. On revient sur des bonnes bases. Alors, si vous êtes amis avec moi, par exemple, imaginons qu'on va à un endroit, il y a mon crush. Et que, voilà, il vient, on papote, blablabla. Vous allez sûrement me dire, quand on repartira, oui, meuf, je te jure, il n'arrêtait pas de te regarder, meuf, je te jure, il rougissait, il faisait tout, tout, tout. Enfin, vous remarquez. Moi, je vais être là, mais meuf, je te jure, je crois qu'il me déteste. Réellement, genre, je sais pas si t'as vu, mais à un moment donné, genre, il me parlait pas. Moi, je vais voir le pire du pire et je vais imaginer le pire du pire. Ce qui fait que, ben, j'ai encore moins envie de dire que c'est mon crush. Ça va pas trop la tête. Hein. Il faut absolument que je prenne des médocs pour mon anxiété, parce que en fait, ça me bouffe de l'intérieur, en fait. Et c'est pas fun du tout. On va venir mettre un petit peu de fond de teint, parce que bon, le visage, il est parfait. Hein. Mais bon, voilà, quand je vais boucher, je vais devenir toute rouge. Au niveau de mes cernes, puisque c'est là qui est le plus important pour moi. Donc oui, donc je sais pas comment les gens font pour faire ça. Genre, je crois que j'ai jamais... Genre, une seule fois, j'ai agi sur un de mes crushs, comme je vous disais. Mais c'était littéralement parce que j'avais vu des actions qui faisaient que je savais que voilà, il pouvait être intéressé. Et on n'arrêtait pas de me le dire. Et j'avais des preuves écrites, j'avais des preuves vidéo, enfin tout ça, donc... Vous voyez, par contre, je suis méga blanche là, c'est quoi ça? Donc voilà, moi, tant que je vous dis, tant que j'ai pas des preuves physiques ou des paroles, je ne peux. Et de la personne concernée, ou vraiment des preuves, genre en mode oui, non mais tu sais qu'il m'a dit ça, 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 je te jure. Genre, vous pouvez pas, je peux pas, j'assume pas les choses. Et pas en mode j'assume pas, en mode genre je fais quelque chose et j'assume pas. Non, non, je n'assume pas, c'est-à-dire. Je sais pas comment c'est le mot en français. Parce que je sais qu'en anglais c'est assume. Assume. I assume you have thing. I assume you think that. I assume you said that. I assume you are. Ah, je suis trop bilingue. Et en français ce serait quoi genre. Je pense que. Genre je suis certaine que. Je suis sûre que. Je suppose. Je suppose que. Et donc moi, je ne suppose jamais rien. Ce qui fait que je vais jamais supposer que tu m'aimes bien. Je vais jamais supposer que t'as un crush sur moi tant que j'ai pas des preuves écrites, tant que j'ai pas un putain de diaporama de ta part qui prouve que t'as un crush sur moi. Vive l'anxiété, vive le non-confiance en soi. Et voilà les bitches. Donc là, j'ai fait ma petite... Teint. Très cute, très cutie. Et donc, on va venir appliquer ce baume. Bon, sur les lèvres, ça sert à rien. Vous avez vu les tas d'élèves que j'ai, elles sont rouges. Rien à voir, mais rien à voir avec l'histoire. Mais en parlant des lèvres, je sais pas pourquoi, je viens d'avoir un boost de confiance en moi. Parce que, comme je vous dis, j'aimais pas mes lèvres. Je vais dire un peu dans une vidéo. J'aime pas mes lèvres. Genre, alors, c'est, là, comme ça... Ça me va. Comme ça, ça va pas. J'ai pas de lèvres en haut. J'ai pas de lèvres. Et en fait, j'ai toujours assumé, j'ai toujours supposé. On va utiliser notre mot magique aujourd'hui. Alors attendez, j'utilise mon... Where is the fucking couleur? Bref. Elle est où la teinte? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour les lèvres. Et en fait, j'ai vu une vidéo TikTok ce matin et en fait, ça a changé complètement mes vues. Genre, ça m'a donné un boost d'amour pour mes lèvres. Est-ce que je vais retrouver cette vidéo? Je ne crois pas. Et en fait, c'est juste que j'adore les lèvres d'avant, quand elle les avait avant. Mais en fait, ces lèvres d'après... Ben c'est la même chose que moi, genre en mode, vous savez, sur le côté, en fait, il n'y a pas de volume ici. Et je trouve que ça lui va... Enfin, elle est super belle. Quand j'ai vu la vidéo, en fait, ça m'a choquée parce qu'en fait, on a trop l'habitude de voir des meufs avec des grosses lèvres et tout. Et en fait, à chaque fois que je voyais des meufs avec des lèvres classiques, genre elles enlevaient leur truc ou même elles n'avaient pas d'injection et tout, ça était toujours quand même un peu bombé. Et là, c'est la première fois que je vois quelqu'un avec des lèvres comme moi. Et... Genre, la première chose que je me suis dit quand j'ai vu la vidéo, c'est genre, waouh, elles sont trop belles, c'est genre, je veux trop. En fait, je me suis rendu compte, j'ai ça en fait. J'ai les mêmes lèvres. Et en fait,
Bah en fait, ça m'a donné une vla d'amour pour moi en fait. Et je sais que j'aime pas ce genre de choses où en mode genre, tu vois quelqu'un avec ton défaut et tu dis waouh, en fait, ça te va trop bien le courage. C'est pas un courage du tout, c'est bon, calmez-vous. C'est juste, bah en fait, avoir vu ça en fait, j'ai trouvé ses lèvres beaux, belles. Et après, je me suis dit, bah en fait, j'ai la même chose, pourquoi je les trouve belles sur elle et pas sur moi? Et en fait, je me suis dit, bah en fait, mes lèvres sont super belles en fait. Voilà! Là, je vais venir donc foutre du blush parce que bah en fait, ce blush il a servi à rien. On va venir utiliser le terracotta que j'ai acheté. Je l'ai pas montré dans la vidéo des. Je sais pas pourquoi je l'ai pas montré. Mais je l'ai acheté en même temps que mon big haul. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Vous, qu'est-ce que vous feriez. Oh putain, j'en ai foutu trop. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Sachant si vous aviez un crush sur quelqu'un. Est-ce que vous seriez vraiment du genre à ne rien dire? Et à laisser passer et attendre que la personne vienne d'elle-même? Ou est-ce que vous seriez du genre à aller en parler et à avouer à la personne? Waouh! Waouh! Pourquoi j'ai fait ça? Oh, on est dans la merde, hein, les gars. Allez, on tapote. Ça va partir. Donc, ouais. D'un côté, en fait, j'ai envie d'en parler parce que je me dis, bon, il n'y a rien de mal, en fait, d'avoir un crush sur quelqu'un. Je trouve que c'est grave. C'est grave gentil, en fait, d'avoir. Enfin, si quelqu'un venait me dire moi qu'il avait un crush sur moi, genre, bah, je pense que je tomberais amoureuse. Je suis trop faible comme ça. Je trouve ça choupinou, je trouve ça flatteur. Mais d'un côté, bah, quand moi je pense à moi et que je pense à moi en train d'avouer à mon crush que j'ai un crush sur lui, tout de suite la première réaction je me dis c'est genre il va trouver ça super gênant, il va te trouver chiante, il va te trouver relou, il va être dégoûté, enfin. Allô, l'anxiété, mais calmons-nous! Y a pas à être comme ça en fait! C'est fou quand même les deux personnalités que j'ai en tête là, enfin les deux personnalités dans mon corps, qui sont en train de se battre en duel là. Il y en a une qui disent, mais meuf, vas-y, dis-le, je suis sûre que c'est réciproque, ou meuf, vas-y, dis-le, je suis sûre que ça lui fera rien. Et il y a une personne qui est là en mode genre, meuf, fais pas ça, tu vas le regretter, oh là là, la honte! Relou, aujourd'hui je travaille solo, j'ai pas mes collègues de cœur. Ça va être très long, du 10h-19h toute seule. Ça va être très très long, moi je vous le dis tout de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes préparés avec moi. J'espère que ce petit Catherine vous a plu. Voilà mon make-up, vraiment le truc le plus simple au monde. Mais en même temps, on grandit, on aime les choses simples. Peut-être mettre du blush en poudre un tout petit peu sur mon blush, juste pour essayer de matifier tout ça. Parce que je vous jure que là, je sens que ma peau est grasse. Je touche à part. Je vais vous abandonner. On se revoit bah, mercredi. Dans une autre vidéo encore, il faut que je trouve encore des idées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à plus tard. Bye bye les queens.